Camille Chamouet, l'invité de 20h30 le dimanche, le 18 juin 2023. La comédienne à l'affiche du film Le processus de paix aux côtés de Damien Bonnard s'est penchée sur son couple au micro de Laurent Delahousse. Camille Chamou n'est pas un cœur à prendre. La comédienne qui est actuellement à l'affiche du processus de paix au cinéma est en couple avec Patrick Cassir. Une rencontre inoubliable pour l'actrice. On s'est connu, pas par une application, mais par une méthode un peu rigolote. À un dîner d'inconnus. Siesti, un groupe de copines, de très bonnes potes à moi, et on a toutes décidé d'amener quelqu'un que personne ne connaissait. Et en fait Siesti super drôle, pour élargir ses connaissances. Sauf que moi, je ne savais pas qui amener que personne ne connaissait, et j'ai fini par appeler deux potes qui m'ont parlé de Patrick Cassir, confiait-elle dans l'émission Je t'aime, etc. Sur le plateau de 20h30 le dimanche, 18 juin, Camille Chamou qui partage l'affiche de Processus de paix avec Damien Bonnard, une comédie de couple, a raconté à Laurent Delahousse qu'il lui arrivait d'avoir des accrochages avec celui qui partage sa vie. Si est-il dur de durer, qu'on soit la mère de famille. On est fier quand on dépasse une engueulade, on est heureux quand on arrive à dépasser un dysfonctionnement, a-t-elle enchaîné, avant de parler de son couple. On se parle parfois très mal. Pas vous, les téléspectateurs j'imagine, mais moi en tout cas chez moi. Ça peut arriver à tout le monde de se parler très mal, a-t-elle conclu, avant de refermer la parenthèse et de revenir sur son dernier film qu'elle décrit comme une comédie drôle, profonde et fantastique. Camille Chamou et Patrick Cassir, un duo amoureux en plus de jouer la comédie, Camille Chamou écrit et réalise ses propres longs métrages. Si est-il d'ailleurs elle qui a co-réalisé le film Premières Vacances, avec son compagnon. Dans ce dernier, la comédienne tient d'ailleurs le rôle principal. Patrick et moi, nous sommes ensemble dans la vie. Et nous sommes partis en vacances ensemble très vite quand nous nous sommes rencontrés. On s'est énormément engueulé et on a fini par beaucoup rire, avait expliqué la comédienne sur l'antenne de RTL en 2018. Camille Chamou avait expliqué que certaines scènes du film étaient tout droit inspirées de sa vie de tous les jours. Il nous est arrivé quelques péripéties qui sont dans le film. Ça sent le vécu, avait-elle assuré. Fort heureusement, malgré quelques différends, le couple s'entend à merveille. Ils sont d'ailleurs très fusionnels et n'hésitent pas à travailler ensemble quand ils ne sont pas absorbés par leur vie de parents. Ensemble, le couple a eu deux enfants, Constantin, né en mai 2015 et Apollonia, né en 2018.